Salut à tous, ici Zuka et dans cette vidéo on va parler de comment bien débuter dans Age of Empires 4. Alors je le précise, cette vidéo s'adresse aux débutants complets, des joueurs qui n'auraient jamais joué à Age of Empires 4 et qui cherchent vraiment à appréhender le jeu, comprendre un petit peu comment ça marche, comprendre justement aussi comment progresser, comment bien débuter, comment se lancer dans le multijoueur, voilà, un peu répondre à toutes ces questions là. Donc on va vraiment couvrir plein de notions qui sont basiques pour des joueurs moyens, mais je pense qu'ils sont nécessaires lorsqu'on commence totalement sur le jeu. Donc déjà, Age of Empires 4, c'est un jeu de stratégie en temps réel, particularité, tous les joueurs commencent avec exactement la même chose, on va toujours commencer avec notre forum, avec Civilageois, il y aura quelques petites particularités selon les civilisations, mais globalement on va toujours commencer la partie avec la même chose, ensuite le but simplement gagner la partie, et on peut gagner de différentes manières, ça c'est la première chose à comprendre dans Age of Empires 4, on peut gagner soit en détruisant tous les bâtiments principaux de l'adversaire, soit par abandon, en général c'est comme ça que se termine une partie d'ailleurs, soit même en construisant une merveille, en la tenant assez longtemps, ça on en reparlera un petit peu après, ou même en prenant tous les sites sacrés et en les contrôlant pendant 10 minutes. Alors faut savoir que toutes ces conditions de victoire, c'est des conditions qui peuvent arriver en 1 contre 1. Quand on joue en multijoueur, les conditions de victoire en fait, changent un petit peu. Par exemple, la merveille devient plus efficace en multijoueur, donc sous-entendu en 2 contre 2, 3 contre 3, des choses comme ça. Donc tout ça, de toute façon, on va le passer en revue lorsqu'on va jouer un petit peu. Alors, il y a plusieurs choses à faire lorsque vous commencez dans Age of Empires 4. Et je pense que d'ailleurs, la première chose à faire de celle-là, c'est d'aller dans le solo, d'aller dans Art de la Guerre et d'aller faire tous les arts de la guerre. Il y en a 6 actuellement, il y en aura peut-être plus à l'avenir. Les arts de la guerre, en fait, c'est des scénarios, on va dire, un scénario contre l'IA qui vont vous permettre d'appréhender certaines mécaniques de jeu. Typiquement, économie primitive, ça va vous apprendre à appréhender les 4 ressources de base, donc or, bois, pierre et nourriture. Économie tardive, ça va vous expliquer un petit peu comment gérer lorsque la partie est un peu plus longue. Les bases du combat, pour moi, c'est un des plus essentiels. Ça va vous apprendre à comprendre les contrôles des unités, comprendre un petit peu la synergie de tout ça, au moins sur la base. Et je pense que c'est absolument essentiel pour tout joueur, même qui vienne d'un autre jeu de stratégie. Il faut vraiment, vraiment le faire. Essayez d'avoir la médaille d'argent. Je pense que c'est le minimum pour pouvoir se lancer en 1 contre 1 à ce niveau-là. Siège primitif, moi qui viens quand même de StarCraft 2, qui avait l'expérience dans les jeux de stratégie, c'est celui qui va le plus aider. Parce que justement, on apprend l'intérêt des espringales, l'intérêt des mangonaux, l'intérêt de tous ces petits éléments-là qui sont assez utiles dans la partie. Puisque du moment qu'une partie va s'allonger, on va jouer avec du siège dans Age of Empires 4. Siège tardif, je ne l'ai pas trouvé, si fou que ça. Et là je suis en train de me rendre compte que ça c'est un défi qu'ils ont rajouté récemment, combat avancé. J'ai l'impression que combat avancé c'est un défi qu'ils ont rajouté il y a pas très longtemps. Faut savoir que là, au moment où je fais cette vidéo là, je le fais sur la bêta pour justement avoir les toutes dernières actualités. Donc faut savoir que au moment où sortira cette vidéo, cette bêta sera en ligne de toute façon sur le jeu officiel. Voilà globalement ce que vous devez faire, vraiment faites ça, avant même de chercher à lancer de la 1 contre 1 et tout ça, faites ça, vous allez voir que ça va vraiment vraiment vous faciliter les choses. On va faire un tour rapide sur les civilisations. Au moment où je fais cette vidéo, on a accès du coup à 8 civilisations. Alors, ça va être très simple, pour cette vidéo là, je vais me concentrer sur les Français, civilisation qui est probablement la plus jouée avec les Anglais je pense, qui est la civilisation la plus basique du jeu. En gros, vous allez avoir 3 catégories de civilisations. Là, vous pouvez voir qu'il y a une difficulté qui est notée. Ne vous y fiez pas trop, en réalité, je trouve que c'est pas hyper, hyper pertinent. Notamment, encore que. En gros, vous allez avoir 3 civilisations qui sont les civilisations, on va dire, un peu basiques. Français, Anglais et Saint-Empire romain germanique. Les Français, c'est une civilisation qui va beaucoup se baser sur la cavalerie. C'est la civilisation avec la meilleure cavalerie. Les Anglais, c'est beaucoup plus orienté archer. Et le Saint-Empire romain germanique, c'est beaucoup plus axé, du coup, Manatarm. Donc Manatarm, c'est fantassin lourd. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces civilisations-là sont des civilisations qui ont très peu d'originalité comparé à un autre jeu de stratégie. Vous avez toujours une production qui est constante de villageois, également d'unités, c'est-à-dire vous les produisez les unes après les autres, vous n'avez pas de boost, vous ne pouvez pas booster en x2 au niveau de la production, vous ne pouvez pas faire de choses comme ça, finalement ça reste assez classique, mais ça reste des civilisations très efficaces. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les Anglais, c'est la civilisation qui est la plus agressive, je pense, et même moi qui me fait très très peur quand je les affronte. Vraiment, c'est voilà, ça c'est inquiétant. Les autres civilisations, après, vous
vous allez avoir du coup les Russes et les Abbasides, qui pour moi sont des civilisations un petit peu intermédiaires, dans le sens où elles sont pas... Elles sont plus compliquées, il y a plus de particularités. Par exemple, les Russes, c'est une civilisation qui peut récolter de l'or en tuant les animaux qui sont sur la carte. Et également qui vont avoir du coup... Potentiellement, en fait, c'est une civilisation qui peut jouer sans jamais récolter d'or. Voilà, c'est un peu ça qu'il faut comprendre avec les Russes. Donc c'est un peu sa particularité qui la rend peut-être un peu technique à jouer. À bas niveau, en fait, c'est vrai que les joueurs n'ont pas trop tendance à tuer les animaux sur la carte. Et du coup, ils ne bénéficient pas de l'avantage que peuvent avoir les Russes. Les Abbasides, c'est également une civilisation un peu particulière qui est en train d'être totalement refaite sur le jeu, qui est basée sur les chameaux. Globalement, c'est une civilisation qui est très très bonne sur les fins de partie, mais c'est vrai que sur le milieu de partie, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas d'unité un peu particulière. Voilà, en gros, un peu la logique à avoir. Et après, vous avez des civilisations qui sont dites compliquées. Mongols, ils peuvent produire les unités par deux, mais c'est vrai que sur les fins de partie, ils n'ont pas de grosses unités super puissantes. Chinois, c'est une civilisation qui utilise l'officier impérial, qui permet de booster les productions, des choses comme ça, qui à la base... basé sur le siège, mais qui a été beaucoup nerfé sur ce point-là, qui est du coup une situation assez technique à jouer, parce qu'en fait, ils peuvent changer d'âge, comme toutes les activations. Donc, premier âge, âge sombre, c'est les unités basiques. Deuxième âge, âge féodal, on a accès à la cavalerie, aux archers et aux piquiers. Âge des châteaux, on a accès beaucoup plus aux unités lourdes. Eux, ils doivent aussi gérer les dynasties, c'est-à-dire qu'ils peuvent poser deux bâtiments pour un âge, voilà, les deux bâtiments du même âge, pour accéder à un bonus en plus, par exemple de la production de villageois beaucoup plus rapide, augmentation de la vitesse de déplacement des unités, des choses comme ça. C'est une civ qui est assez technique, et Delhi qui est probablement, je pense, la civ la plus technique, qui malgré tout reste la civ qui a le plus gros taux de victoire en contrant un haut niveau. Le sultanat de Delhi, c'est basé sur les éléphants, et c'est une civilisation en fait qui ne paye aucune amélioration. Par contre, toutes les améliorations sont lentes, mais ils peuvent les booster en mettant des imams, des équivalents des unités religieuses, pour augmenter la production, pour augmenter la vitesse de production, des choses comme ça. C'est une situation qui peut être un peu technique, qui se base beaucoup sur la prise de lieux sacrés ou des choses comme ça. Donc pour moi, c'est une situation qui ne fonctionne que très peu en multijoueur. Par contre, c'est une situation qui va très très bien fonctionner en 1 contre 1. Voilà en gros les idées générales. Donc ça, c'est comment fonctionnent un peu les civilisations. Maintenant, je vais vous dire un point beaucoup plus direct. Comment on va jouer selon les civilisations qu'on affronte. Et ça, en fait, à peu près... qu'importe la civilisation qu'on joue, en fait. Les Français, c'est une civilisation qui est extrêmement agressive sur l'âge féodal. C'est-à-dire que quasiment tous les joueurs français, c'est des joueurs qui vont jouer cavalerie-archer. Cavalerie-archer, c'est tout le temps. Du coup, quand vous jouez contre un Français, c'est pas du tout débile de poser instantanément une caserne pour faire des piquets. Donc ça, vous le verrez avec l'art de la guerre, c'est des choses qu'il faut comprendre. Ce qui contre très très bien la cavalerie, c'est les piquets, donc c'est des unités d'infanterie. Également, ils jouent beaucoup avec archers. En général, on aime bien jouer piqué archer contre eux. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt ok. Anglais, c'est la civilisation ultra, ultra agressive. La plus agressive, c'est systématique. Je n'ai jamais vu un joueur anglais ne pas être agressif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont accès aux archers longs. Les archers longs, c'est les meilleurs archers du jeu. Ils se produisent super vite. Du coup, c'est qu'en fait, t'as tout intérêt à jouer avec ça. Quand tu joues contre un anglais, c'est un peu l'inverse des français, tu es quasiment obligé d'ouvrir avec cavalerie, c'est quasiment systématique. Et vous l'aurez compris, si tous les joueurs ouvrent cavalerie, tous les joueurs anglais jouent archer avec piqué, parce que les piquets contre la cavalerie. Voilà un peu la logique sur Age of Empires 4. Donc ça, c'est les deux situations, je pense, les plus dangereuses à affronter, du moins en tout cas sur l'âge féodal. Faut comprendre que quoi qu'il en soit, dans Age of Empires 4, tout joueur veut aller au plus vite à l'âge féodal, parce que c'est là qu'on a le plus de choses à notre disposition. Notez quelque chose, les Anglais ont à leur disposition des fantassins à armure lourde à l'âge sombre, et il y a certains joueurs qui jouent avec. Et ça peut être assez technique à arrêter. Moi, de mon expérience, si vous jouez contre quelqu'un qui fait ça, il faut poser des tours, et puis vous mettez vos villageois dans des tours pour aider à défendre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ne pas hésiter à bien ramasser du bois lorsqu'on affronte un Anglais. On continue avec un peu les situations agressives, on va passer aux Mongols. Donc les Mongols ont une particularité, c'est qu'ils vont pas récolter de pierre, ils ne peuvent pas récolter de pierre dans le jeu, et ils n'ont pas du tout le même usage de pierre que les autres joueurs. La pierre, dans Age of Empires 4, c'est fait pour construire des châteaux et des murailles. Globalement, on peut jouer sans jamais récolter de pierre. Moi, ça m'arrive très souvent de ne pas récolter de pierre d'une partie. Les Mongols, en fait, génèrent de la pierre, et en fait, lorsqu'ils vont avoir un bâtiment qui va être à portée du Uvu, donc le Uvu, c'est un bâtiment qui est sur la pierre,
ils vont pouvoir produire des unités x2 en consommant de la pierre. Ou alors ils vont pouvoir avoir des améliorations améliorées en consommant de la pierre toujours. Du coup, c'est une situation qui peut être assez dangereuse dans le sens où ils peuvent passer à l'âge féodal, poser un bâtiment et donc se mettre à produire des unités par deux. Et s'ils produisent par exemple des archers, des piquets, ils ont de quoi en faire quasiment 5 x 2 quoi. Genre, pour le coup de 5 archers, ils vont en sortir 10. Et c'est ça qui est très très dangereux avec les Mongols. Après, c'est une situation qui est un peu dure à appréhender. Et autre particularité qu'elle va partager avec la dynastie des Abbasides, c'est qu'à partir de l'âge des châteaux, eux, moyennant une recherche, ils peuvent construire les mangonaux, les espringales, donc le siège, directement sur le champ de bataille. Voilà. Donc ça, c'est une particularité qui les rend extrêmement, extrêmement dangereux lorsque ils arrivent, du coup, à l'âge des châteaux. Du coup, on continue. Voilà en gros mongol ce à quoi il faut s'attendre. Vraiment, ça peut être agressif à l'âge des châteaux. À l'âge féodal et à l'âge des châteaux. C'est très, très dangereux. Sans Empire romain germanique, on les a un peu sautés. C'est une civilisation qui est plus délicate en fait et plus prévisible. En gros, ils se basent beaucoup sur les fantassins et qu'ils les ont du coup à l'âge féodal. Le truc, c'est qu'en fait, selon le bâtiment qu'ils posent pour changer d'âge, vous pouvez savoir instantanément comment ça se passe. Dans Age of Empires 4, vous avez le choix à chaque fois entre deux bâtiments d'âge et du coup. Et du coup, en fait, s'ils posent la chapelle, en gros, c'est qu'ils ne jouent pas agressif et qu'ils veulent plutôt passer l'âge des châteaux, âge impérial. S'ils posent l'autre bâtiment, le palais de Menverk, je crois que ça s'appelle, c'est que a priori, enfin, c'est sûr et certain qu'ils vont vous faire une grosse agression avec justement des fantassins et il va falloir beaucoup plus jouer archer. Voilà, c'est un peu la logique à avoir. Les Empires romains germaniques, c'est une civilisation qui est beaucoup plus orientée fin de partie, puisqu'en fin de partie, ils ont des gros bâtiments, enfin, ils ont un bâtiment d'âge qui est super puissant pour la fin de partie. Alors, je ne vais pas détailler toutes les civilisations, ça, si ça vous intéresse, je vous mettrai des liens en description de la vidéo, vous pourrez aller les voir. J'ai couvert la plupart des civilisations russes, du coup. C'est une civ un peu particulière, puisqu'en général, ils cherchent aussi beaucoup l'âge des châteaux. Ils ont une puissance à l'âge féodal, mais il est quasiment jamais exploité. Vous savez, à l'âge des châteaux, ils ont des archers de cavalerie qui sont hyper puissants. Archers de cavalerie, il faut savoir que c'est une unité qui est pas trop détaillée en termes de contre, c'est se fait contrer par les archers. Tous les archers de cavalerie, donc les Mangodai côté mongol, les archers de cavalerie côté russe, c'est des unités qui se font très... Et même les chameliers abbassides, donc les chameaux avec arc, c'est une unité qui se fait très très bien contrer. Qui se fait très très bien contrer, pardon, par les archers. Sultanat Delhi, Sultanat Delhi, c'est un peu particulier parce que c'est une civ qui en général veut contrôler le milieu de partie avec des unités, tout simplement parce qu'ils veulent choper les lieux sacrés, parce qu'ils ont la capacité de récupérer les lieux sacrés dès l'âge féodal. Les autres civilisations, c'est tous à l'âge des châteaux. Eux, à l'âge féodal, avec une amélioration, ils peuvent les récupérer. Et s'ils arrivent à les contrôler, à récupérer les lieux sacrés, ils peuvent générer de l'or à l'infini. Donc c'est une civilisation qui fonctionne pas mal là-dessus. Détail aussi, Delhi, c'est une civ qui peut produire x2 les unités. Avec une amélioration aussi et un imam dans le bâtiment de production. Mais du coup, c'est une situation qui est un peu dangereuse. Et à l'âge des châteaux, ils ont des éléphants. Alors, les éléphants, je vais répondre tout de suite à la question. Comment contrer les éléphants? C'est très dur. Si vous êtes joueur débutant, c'est très très dur. Les éléphants, en gros, vous avez les éléphants corps à corps et les éléphants distance. Les éléphants distance sont, à mon sens, les plus dangereux. Éléphants distance, ça se contre à la cavalerie légère, en général, on le fait plutôt. Et aussi avec des piquiers. Voilà. Les éléphants de guerre, corps à corps, ça se contre au piquier. Au piquier. Voilà, j'ai pas de faim. Au piquier. Après, en général, on rajoute aussi des arbalétriers qui sont des unités assez intéressantes. Mais ça, de toute façon, on va un peu le détailler après dans la partie que je vais faire. La partie que je ferai, je la ferai contre l'IA pour justement pouvoir mettre des pauses. Ça sera intéressant. Abbasside, du coup, c'est une civilisation qui se base aussi, qui se base pas mal sur les chameaux. Alors, faut savoir que du coup, les chameaux mettent un debuff à toute la cavalerie de 20% de dégâts, si je ne dis pas de bêtises. Donc sous-entendu, du moment que vous avez même un chameau, ça met un debuff. Les Abbasides, pour moi, c'est une situation qu'il ne faut jamais, jamais affronter avec de la cavalerie. Ou alors, faut en avoir vraiment beaucoup. Ou alors, faut viser directement les chameaux. Voilà. Mais ça peut être assez dangereux, en vrai, d'affronter les Abbasides. Et on finit avec les Chinois. Donc les Chinois, j'en ai un peu parlé déjà. C'est une situation qui est un peu technique à jouer. En fait, c'est compliqué parce que c'est une situation qui se base beaucoup sur les fins de partie. Il faut savoir que c'est très 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 difficile d'attaquer un chinois. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi très 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 difficile d'attaquer un anglais. Les anglais ayant un boost qui fait qu'ils attaquent, ils lancent beaucoup plus de flèches avec leur château, avec leur tour. Enfin, c'est affreux. Attaquer un anglais, c'est affreux. Chinois, c'est un peu pareil. C'est probablement les cibles les plus défensives. Cela étant, anglais, c'est peut-être la plus défensive.
En vrai, en termes de défense, je pense que c'est anglais, français et chinois les meilleurs. Parce que français ont une des meilleures attaques à la chevaudale qui leur donne une très très bonne défense, indirectement. On va se concentrer rapidement d'ailleurs sur les français, parce qu'on va parler un petit peu de cette civilisation. Je vous conseille vraiment d'aller voir dans premier pas un petit peu les descriptions de ce qui se passe, pour voir un peu leurs particularités. Alors, globalement, les particularités des français, c'est qu'ils ont accès dès le passage d'âge à l'école de cavalerie. Donc ils ont le choix entre deux bâtiments, la chambre de commerce, mais jamais personne ne l'a fait, ou l'école de cavalerie, qui est quasiment obligatoire, parce que toutes vos écuries produisent les unités plus 20, donc elles produisent, je crois qu'elles sont produites plus rapidement. Parce que bon, les descriptions sont un peu buggées. Hein. Et globalement, ils ont accès aux chevaliers royaux, qui sont genre super, super, super puissants. Là, vous voyez pas les descriptions, mais en gros, c'est de la cavalerie lourde. Donc toutes les autres civilisations, à part les Russes, y ont accès seulement à l'âge des châteaux. Là, vous pouvez le faire dès le début. En plus, avec la chevalerie, vous pouvez faire en sorte que vos chevaliers se soignent tout seuls. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'améliorations, en fait, centrées sur la cavalerie. Enfin, c'est une civilisation qui marche bien là-dessus. Ils n'ont pas que ça. La production de villageois et d'éclaireurs est plus rapide à chaque âge, 10%, 15%, 20% et 20%. Donc ça, bah, c'est simple, vous produisez plus vite tout au niveau de votre village, de votre forum. Ce qui sous-entend aussi que certaines civilisations vont avoir intérêt à faire un deuxième forum, vous en avez un peu moins besoin, parce que déjà vous avez un petit boost économique. Les technologies d'économie coûtent 30% moins cher, donc par exemple l'amélioration de la brouette qui va améliorer la vitesse de déplacement de vos villageois, ça va coûter un peu moins cher. Les unités produites par un camp de tir à l'arc ou une écurie dans la zone d'influence coûtent 20% moins cher. Voilà. Mais voilà. Le donjon, c'est un château. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que les Français, c'est une très très bonne civilisation. Pas très compliquée dans ses détails, mais c'est une bonne civilisation qui a des particularités. Donc, particularité également d'Age of Empires 4, c'est que toutes les civilisations sont très marquées en différence. Ça, faut pas l'oublier. Avant de lancer la game pour voir un petit peu comment jouer et tout ça, on va faire un deuxième point, c'est les cartes. Il faut savoir qu'en fait, il y a finalement trois types de cartes. Vous avez les cartes ouvertes, donc ça c'est des cartes où bah, vous êtes obligé de jouer avec seulement des unités terrestres. En général, les cartes ouvertes sont toutes des cartes terrestres. Donc il y a Arabia Red, Lipani, vue d'en haut, et Passage Montagneux n'est pas ouverte, hein, elle est fermée. Et il y en a une autre qui est ouverte. Celle-là, Roi de la Colline, elle est à peu près ouverte. Donc c'est des cartes qui sont un peu particulières, qui favorisent vraiment les civilisations comme français, russe. En fait, des civilisations à mobilité. Donc c'est des bonnes cartes pour vous. C'est des cartes aussi qui sont parfois difficiles à défendre. Si on peut pas mettre beaucoup de murs. Donc c'est des civilisations qui veulent vraiment aller beaucoup plus vite sur un âge impérial pour aller chercher les dernières unités. Vont avoir un peu plus de mal. Passage montagneux, c'est une carte qui va être fermée. Donc ouais, tu auras un seul passage pour accéder à l'adversaire. Ça favorise souvent les civilisations un peu de camping. Altaï étant un petit peu dans ce genre-là, Col Français étant totalement dans ce style-là, et Colline et Vallée étant totalement dans ce style-là. Et après, vous avez en fait deux autres types de cartes, donc qui ne sont pas actuellement jouables dans le map pool. Vous avez les cartes aquatiques, Archipel, Île Belligérante, Bérocheuse et Nagari dans une moindre mesure. C'est des cartes où il faut jouer l'eau. Il faut jouer l'eau parce que c'est beaucoup trop fort. Comprenez quelque chose, dans Age of Empires 4, c'est probablement une info des plus essentielles, la pêche est la meilleure source de nourriture du jeu. C'est tout. C'est-à-dire que, en fait, une carte comme Bérocheuse, si vous ne prenez pas très rapidement un port, vous allez avoir un retard économique. C'est obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que lorsque vous allez poser un port, en fait, vous allez poser un port, vous allez pouvoir produire des bateaux. Les bateaux de pêche au début de la partie. Les bateaux de pêche sont juste hyper rentables. Ils sont juste hyper rentables. Ça va être, ils équivaut à un villageois qui va récolter de la nourriture, sauf que vous n'avez pas produit. Enfin, c'est pas un villageois qui était produit avec votre forum, c'est un villageois qui était produit avec un port, en gros. Faut vous dire que c'est comme si vous aviez une production x2 de villageois, mais qui est seulement dédiée à la nourriture. Et il y a des détails qui sont très importants avec tout ça. C'est que les poissons de plein eau, c'est genre la ressource, ça récolte quasiment, je crois, deux fois plus qu'un mouton. Ça récolte deux fois plus qu'une baie. Les poissons côtiers, ça récolte un peu moins vite, mais ça récolte quand même plus rapidement qu'un mouton. Enfin, c'est des récoltes qui sont juste insane. D'ailleurs, point intéressant, moi j'en ai fait une vidéo, mais globalement, les sources de nourriture à privilégier, c'est poissons de plein eau en priorité, poissons côtiers, ensuite sanglier théoriquement, mais c'est absolument inaccessible. Donc ensuite, biches, moutons, qui sont équivalents aux fermes. Et ensuite seulement les baies. C'est-à-dire qu'au début de partie, on va toujours chercher à aller récupérer les moutons parce que c'est la ressource la plus intéressante qui est proche de chez vous. À moins que vous ayez vraiment genre des sources de genre des biches qui sont à côté de chez vous. Mais ça, c'est pas toujours le cas. Donc les cartes eau, c'est des cartes très particulières.
parce qu'il faut obligatoirement jouer la flotte, et il y a des civilisations qui sont plus fortes que d'autres sur ces cartes-là. C'est-à-dire que c'est français, parce qu'ils ont les meilleurs bateaux H2, c'est également russe, parce qu'ils ont d'excellents bateaux H2 aussi, et chinois. Chinois parce que vous pouvez camper très très bien sur les maps haut, et ils ont accès aux derniers bateaux qui sont les meilleurs de tout le jeu. Donc voilà, les cartes haut, moi j'adore ça, mais elles sont plus accessibles parce que justement elles sont très déséquilibrées. Et après vous avez les cartes hybrides, Flash Antique, Danube, Forêt Noire, Confluence, Hauteur Mongole. C'est des cartes, alors Forêt Noire étant enfermée, mais en fait c'est des cartes où il vaut mieux prendre de l'eau, mais vous pouvez jouer sans. Je vous conseille de toujours toujours quand même chercher à prendre de la flotte sur ces cartes là. Mais c'est des cartes qui sont assez techniques. Ça demande une adaptation particulière. Les meilleures civilisations sur ces cartes-là, c'est en général Sultanat de Delhi, parce qu'ils peuvent attaquer avec leur premier bateau. Les Mongols, parce qu'ils vont avoir accès aux tours assez tôt. Enfin, ils ont accès aux tours, comme toutes les civilisations, à l'âge sombre et à l'âge féodal. Mais ils peuvent faire une amélioration dès l'âge féodal qui augmente les dégâts des tours. Donc ils peuvent poser une tour à côté d'un lac adverse et puis choper tous les... toute la pêche, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qu'il faut comprendre. Mais c'est des cartes finalement qui favorisent ceux qui peuvent jouer à la fois l'eau et à la fois le terrestre. Il y a des civilisations qui sont particulièrement nulles, je trouve, sur ces cartes-là, et c'est par exemple les Abbasides, qui sont vraiment, vraiment pas terribles pour s'adapter à ces cartes-là. Voilà, en gros, les petites choses à comprendre. Donc, on va lancer une game, et on va voir un petit peu un opening classique, qui est l'opening Fast Ash Féodal. Il faut savoir que chaque civilisation a une manière différente de le faire. La version que je vais vous montrer, c'est le Fast Ash Féodal, qui est faisable en français, HRE, donc ça tape en germanique, anglais. C'est le plus classique. C'est le plus classique, qui s'adapte à quasiment 95% des situations. Et on va faire la version la plus simple, la plus rapide, sans se baser sur les petites choses que moi je peux faire par exemple quand je joue un peu plus haut niveau. On va rester sur du basique et ensuite on va essayer de comprendre un peu la partie. On va se mettre contre une IA. L'idée, c'est pas forcément que l'IA soit très très forte ou très compliquée à battre. On va mettre une IA moyenne. Je vous le dis, ne vous entraînez pas spécialement contre l'IA, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Donc on va se mettre en français. On va mettre une IA intermédiaire et on va la mettre en Saint-Empire romain germanique. Et ce qu'on va faire pour faciliter les choses, c'est qu'on va se mettre simplement sur une carte très 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 standard. On va se mettre sur une Arabie aride. Voilà, pas plus compliqué. Oh, quoique non, on va pas se mettre sur une Arabie aride. On va se mettre sur une vue d'en haut qui est un peu plus particulière. Il y a des petits détails sur ces cartes-là. Voilà. Eh bien écoutez, on va partir et puis c'est parti. Donc, l'objectif en début de partie, ça va être, je le précise, d'aller chercher au plus vite l'ensemble des moutons qui sont sur la carte. Donc on va avoir notre éclaireur qui sert à ça, aller chercher les moutons. Essayer de voir ce que fait l'adversaire, mais à l'âge sombre en général il n'y a pas grand chose qui se passe. Et ensuite on va répartir nos villageois. L'idée, c'est d'arriver à 400 de nourriture, 200 d'or pour pouvoir passer notre âge. Voilà. Là je vous montre la version avec les français, évidemment si vous voulez d'autres versions, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, j'en ai montré plusieurs. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on prend tous nos villageois, on va les faire récolter le... Alors attendez, je vais juste afficher quelque chose. On va les faire récolter le mouton et on va du coup envoyer notre scout pour chercher sur la carte les moutons. Également, je vais le préciser, on va tout de suite lancer la production de villageois et on n'arrête jamais la production de villageois. C'est peut-être un des points les plus clés du jeu, de ne jamais, 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 jamais arrêter ça. Également, moi j'affiche toujours les barres de vie des unités, je trouve ça plus agréable. Les barres de production des bâtiments également. La durée du jeu, c'est essentiel. Et les infos des joueurs épinglés, ça vous permet de savoir à quel âge est votre adversaire. Voilà. Donc hop, on produit des villageois. Et vous voyez, je vais récupérer les moutons. Il y a toujours 3 moutons autour de chez vous. Donc 1, 2, 3, là j'en ai récupéré 4. On les ramène. Les villageois qui sortent, vous allez voir, dès qu'un villageois va sortir, on va l'envoyer sur la mine d'or. Hop. En chemin, on va lui faire construire une maison. Et ensuite, on va lui faire construire la mine d'or. Voilà, pas plus compliqué que ça. On ramène les moutons chez nous. Et maintenant, on va pouvoir se balader. Globalement, avec 3 moutons, vous êtes tranquille sur la récolte de nourriture. Donc là, on va mettre 2 villageois au niveau de l'or. Tout simplement. On va en mettre 1 au niveau du bois. Ça, c'est pour de la sécurité. Donc là, évidemment, vous voyez, je fais le tour de la carte pour essayer de trouver le maximum de moutons. Le plus simple, hein, c'est vraiment de faire le tour de la carte. C'est vraiment plus simple. Il y a des cartes, c'est un peu plus particulier, mais globalement, c'est ça qu'il faut faire. Et au niveau de notre forêt, on va mettre tout simplement le camp de bûcheron.
Et ensuite, on va changer tout et on va mettre à la nourriture. Voilà, c'est tout. Et là, vous avez deux villageois alors, un villageois au bois, le reste à la nourriture. Et c'est tout. Et vous produisez des villageois et vous allez voir qu'autour de 15-16 de population, vous allez pouvoir changer d'âge. Donc ça, c'est l'opening vraiment, vraiment le plus classique. Alors, ce qui va être assez essentiel, c'est aussi de ramener des moutons chez vous. Là, j'ai pas bien de bol sur ma récupération de moutons. Alors c'est pour ça qu'à plus haut niveau, nous on joue avec deux scouts en général pour récupérer un peu plus de moutons. Mais voilà. Voilà. C'est pas toujours possible. c'est pas toujours possible. Et puis c'est plus simple, je pense, de jouer avec un seul scout à plus bas niveau. Donc là, j'ai vraiment, vraiment très, très peu de réussite. Faut savoir que l'adversaire sera toujours à l'opposition de chez moi. J'ai récupéré notre mouton, ça c'est bien. Donc là, sur ces cartes-là, on va avoir plusieurs sites sacrés. On va en avoir 3. Un au centre, un à gauche, un à droite. Donc là, je vois que l'adversaire est par là. Il a fait beaucoup de scouts, hein. D'accord, il a fait beaucoup de scouts, notre adversaire, c'est cool. Donc beaucoup de scouts, ça signifie aussi que ça lui a coûté beaucoup de nourriture, donc c'est assez tranquille. Quand vous avez 10 villageois, vous pouvez le transférer au bois en vrai. Vous pouvez vraiment, vraiment transférer au bois. Donc là, ça va être peut-être un peu technique en plus, parce que l'adversaire, vous le voyez, j'ai pas eu beaucoup de moutons. Donc si on n'a pas beaucoup de moutons, ça veut dire qu'on va devoir récupérer nos baies, hein, tout simplement. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que ça. Donc là, vous allez voir que, du coup, à 15 de population, je vais pouvoir changer d'âge. Voilà. Donc je vais le faire avec des mecs qui sont alors, hop, à la nourriture, pardon, et je vais en mettre 4 pour changer d'âge. Donc là j'ai sélectionné un de trop, voilà, et voilà, tout simplement. Et on va mettre tout au niveau du bois maintenant. Alors, la strat, ça va être assez simple. Alors j'ai un mec qui fait n'importe quoi. Ça va être, la strat là, ça va être d'avoir 4 villageois alors, 4 villageois à la nourriture. Donc là je vais en transférer un, hop, et ensuite le reste au bois. L'idée, ça... le reste au bois. Le reste au bois. Je dis n'importe quoi. J'explique en même temps, je dis n'importe quoi. Non, on va mettre à la nourriture. Non, c'est 4... Alors, attendez, je refais ma phrase. 4 au bois. 4 au bois. 4 à l'or. Le reste à la nourriture. Et bien sûr, 4 qui font le passage d'âge. En fait, 4 qui font le passage d'âge, ça vous permet d'avoir un passage d'âge qui va être, du coup, vraiment, vraiment... vraiment rapide. Puisqu'en fait vous allez faire un changement d'âge x2 par rapport à un timing normal. Donc là vous le voyez, je ramène un peu de moutons. J'ai vu qu'il y avait un mouton qui traînait là, bon je vais le récupérer. Vous voyez, j'arrête jamais la production de villageois. Vraiment très important, ne jamais jamais arrêter la production de villageois. Et faire des maisons en rythme. Finalement pas plus compliqué que ça. Donc en termes d'amélioration, vous voyez, vous avez accès à des améliorations. Dites-vous que simplement les améliorations vous les faites avec un âge de décalage, toujours. C'est-à-dire que lorsque vous allez être à l'âge... Ah j'ai mis un trop alors là. Un trop voilà, à l'âge. C'est-à-dire que lorsque vous allez être à l'âge des châteaux, vous allez faire les améliorations de l'âge féodal. Pas avant, ça sert à rien de les faire avant. Hop, on va ramener ça. Et là, vous allez voir qu'en fait, vous allez pouvoir commencer à faire des chevaliers. Donc, ça va dépendre un peu de votre open. Là, moi, j'ai joué quand même avec beaucoup, beaucoup de villageois au bois. Donc, je peux pas faire tout de suite mon chevalier. Mais selon comment vous jouez, vous pouvez le faire plus rapidement. Là, je vous donne vraiment une version très très safe des choses. Très 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 safe. Donc là, l'adversaire, lui, n'a pas passé son âge. Là, vous avez fait un fast âge. Hein. Si vous êtes capable de faire un passage d'âge à cette vitesse, c'est que vous êtes bien. Hein. C'est que vous êtes très très fort. Hein. J'ai posé un cantier à l'arc. Le cantier à l'arc, c'est globalement ce qui va vous donner le plus de sécurité. Si vous arrivez à avoir cantier à l'arc plus... école de cavalerie, vous produisez des archers, des cavaliers, vous êtes sûr de pas vraiment vraiment pouvoir mourir. Voilà, c'est tout. Donc là vous le voyez, j'ai beaucoup beaucoup de paysans à la nourriture. Faut pas hésiter du coup à transférer si vous sentez que vous avez trop de paysans à la nourriture, récolter du bois. De toute façon, ça ne sert à rien d'avoir plus de 15 villageois pour la nourriture. Voilà. Et là, vous voyez, je fais des chevaliers et je vais pouvoir attaquer l'adversaire. Alors, je vais le faire juste pour le troll. Si vous doutez un peu, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Ça ne sert à rien de le faire. Produisez simplement des villageois, des archers et des cavaliers. C'est vraiment... faites-le que si vous vous sentez bien, que si vous êtes à l'aise avec ce que vous faites. Voilà. Vraiment, faites-le pas autrement. Donc là, moi, je vais le faire. Vous allez juste voir la puissance en fait de ça. Et je pense que c'est assez important de le voir. Et je fais des archers. Vous voyez, je fais des archers. Regardez, hop, un coup. Voilà, hop, et je me barre.
Si vous arrivez à buter un villageois, c'est énormément, énormément de dégâts. C'est vraiment des dégâts. Donc là, vous le voyez, j'ai tout transféré au niveau du bois, tout simplement. Donc, tout l'intérêt du bois, c'est que vous allez pouvoir faire, par exemple, une forge pour faire des améliorations, voilà, des choses comme ça. Là, globalement, dites-vous que si vous faites des chevaliers en continu, on ne peut pas vous faire mal. Alors, par contre, chaque chevalier est cher. C'est ça qui est assez important. Alors, j'utilise des raccourcis clavier. Je vous montrerai tout ça à la fin de ce petit tuto pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, je peux tout à fait imaginer poser des fermes par anticipation. Alors, en fait, j'aurais le choix. Hein, j'aurais pu faire une forge. Ça aurait été aussi très, très intéressant. Donc, globalement, c'est simple. Si l'adversaire fait des piquiers ou des archers... Si l'adversaire fait des piquiers, vous faites des archers. S'il fait des archers ou de la cavalerie, vous faites de la cavalerie. C'est réellement, réellement pas bien plus compliqué que ça. C'est réellement pas plus compliqué que ça. Et vous pouvez tout à fait mettre votre scout un peu autour de chez lui pour voir ce qu'il fait. Hein. Donc justement, on va voir ça. Donc le bâtiment d'âge, j'ai fait l'école de cavalerie, mais j'avais le choix entre d'autres bâtiments. J'aurais pu faire les autres bâtiments. Ouais. Bon, on va essayer d'avoir un peu plus de villageois au niveau de l'or, quand on va arriver à 10 villageois sur le bois. L'objectif, c'est d'avoir, en gros, 6 villageois au niveau de l'or. Donc là, par exemple, on voit que l'adversaire, il fait quoi? Là, regardez, là, il fait caserne, il fait des piquets. Donc là, par exemple, c'est, bah, si tu fais, ok, tu fais des piquets, bah, écoute, je vais faire des archers, c'est tout. Je fais des archers. Alors, ça coûte du bois, les archers, hein, effectivement, mais c'est pas mal. On va faire un point rapide sur les améliorations. Donc là, je pense que de toute façon, je vais être un peu bloqué au niveau de... Ouais, je vais être obligé de faire un moulin. Ouais, bon, je vais être obligé de faire un moulin. Et là, vous voyez, faut pas hésiter à s'adapter. Je suis à 6 à l'or, mais vous voyez que je suis un peu... C'est un peu compliqué le bois pour moi. Tout à l'heure. Donc je vais simplement produire des unités. Et que... principalement produire des villageois que je vais mettre au bois, pardon. Voilà. Et je vais faire une forge. Donc ça, dans une game normale, je sais pas si je l'aurais fait aussitôt. En réalité. Mais voilà, on va la faire. Donc là, après, faut que j'anticipe une transition. Hein. Et la transition, ça peut être les fermes. Pour les Français, c'est vraiment les fermes. Là, l'adversaire, en fait, aura du mal à m'attaquer. Si j'ai envie, là, je peux lui mettre une pression. Donc, chose intéressante, l'adversaire est à côté de la pierre. Pierre, c'est quelqu'un qui, en général, veut faire un deuxième forum. Ça n'a aucun intérêt de faire de la pierre, de prendre la pierre aussitôt dans la partie. Si vous ne faites pas un deuxième forum. Mais voilà. Donc là... On va, pour changer l'âge, il va nous falloir 1200 de nourriture et 600 d'or. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Ok, l'adversaire va m'attaquer. On ramène tout. Là, faut pas hésiter. Si vous avez vraiment peur, vous pouvez mettre tout comme ça. Regardez, hop. Vous reculez et vous mettez vos unités dans le forum. Regardez, hop. Votre forum va attaquer, va faire très, très, très mal. Faut pas hésiter à pousser les autres villageois. Hop, c'est ce que je fais. Et il fait mal, hein. Voilà. Mon forum, il aide beaucoup, quand même. Voilà. Ça, faut être réactif là-dessus. Hein. Faut être réactif sur ce genre de choses. Mais voilà, là je l'ai été. Par contre, du coup, j'ai mal réparti mes villageois. On va remettre là. Voilà, on remet au bois. Donc là, au niveau du forum. Alors, je discute en même temps que j'explique les choses. Hein, mais au niveau du forum, je vais avoir. Au niveau de, pardon, des upgrades, je vais avoir le choix entre plusieurs upgrades. Celles qui sont folles, c'est celle-là, la cote de maille. Parce qu'en fait, ça augmente votre défense à distance. Et surtout, en fait, faut pas oublier que la défense à distance, ça affecte les forums. Donc, en fait, les forums là qui m'a attaqué, il me ferait beaucoup moins mal quand je vais l'attaquer lui. C'est essentiel d'avoir le plus 2 à ce niveau-là. Les autres améliorations, en fait, sont pas mal. Donc là, regardez. Il m'attaque. Je pousse mes cavaliers, parce que mes cavaliers, effectivement, prennent très très cher contre les piquets. Mais je laisse mes archers faire. Regardez, les archers les arrachent. Hein. Voilà, tout simplement. Ça, c'est un peu la synergie à comprendre. Du coup, je vais mettre un peu plus à l'or. Tiens, je vais monter à 8 à l'or. Et là, je vais commencer à anticiper mon passage d'âge. Vous voyez, je suis à peu près stable en or. Ma nourriture va commencer à monter. Du coup, je suis à peu près stable. En fait, j'ai pas besoin de bien plus. Si vraiment j'ai peur, ce que je peux faire éventuellement, c'est mettre une tour qui va me donner un peu de visibilité pour mieux défendre. Je vais faire la chevalerie qui va me sonner mes unités. Et là, on va passer l'âge. Pour le passage d'âge, en français, je trouve que c'est pas mal d'avoir au moins 10 villageois à l'or. Lorsqu'on est à l'âge des châteaux. Voilà. Donc là, on va passer l'âge. Donc vous voyez, hein, je coupe jamais la production de villageois. Et là, je récolte beaucoup de bois. Alors, en réalité, je pourrais récolter un peu moins de bois. Et mettre plus à la nourriture. Le bois étant moins nécessaire aux Anglais et aux Français qu'aux autres civilisations. D'ailleurs, là, je crois que j'ai un des... Les fermes se renouvellent toutes seules. Hein. Les fermes se renouvellent toutes seules. Voilà.
Ok. Donc là, je joue vraiment un style très camping, qu'on pourrait jouer à plus bas niveau. Mais du coup, on va commencer à pouvoir mettre de la pression à l'âge suivant. Et je vais vous montrer 2-3 trucs qui, je pense, sont obligatoires à l'âge suivant. Donc là, hop, on va le passer. On va passer ce fameux âge. Donc effectivement, mon passage d'âge est un peu tardif, hein, je pourrais le faire. Moi, oh, quoi que tu me diras. Très tardif, pas forcément. Donc là, cette fois, le passage d'âge, on va le faire timer sur... Ok, on va le faire là. Donc là, on va avoir 2 choix. Génère des ressources au fil du temps. Et quand il y a des technologies unico français, génère des ressources. Génère des ressources. C'est le plus simple à utiliser. Donc là, vous voyez, je peux faire également mes améliorations. Alors, étant donné que j'ai envie de jouer un style plutôt cavalerie, je vais faire plutôt mes attaques et défenses. En fait, je peux faire mes 2 défenses et les attaques à distance. Les attaques au corps à corps. Alors là, voilà, vous voyez, là, d'ailleurs, mon chevalier se soigne tout seul. Voilà, en gros, l'idée. Ok. Alors, je suis en train de passer mon âge. J'ai mis 5 villageois dessus. 4, c'est pas mal. Mais 5, c'est pas très gênant. Je vais rechercher une amélioration qui est absolument nécessaire. C'est la brouette. Ça augmente énormément. En fait, si vous devez faire qu'une seule upgrade économique, c'est celle-là. Et là, vous voyez, en fait, là, il va falloir que je commence à faire ma transi, simplement bouffe, quoi. Alors, théoriquement, je pourrais chercher DB, je pourrais aller chercher Scancer et tout. Si on n'a pas envie de s'emmerder, vraiment, vous faites comme ça. Ah, c'est marrant, ça. Et allez, il essaie de m'attaquer. Alors, j'ai pas envie de m'emmerder, je vais... Voilà, on va faire ça. Et vous voyez, faut bien anticiper. Et si vous n'avez pas assez de bois, en fait, vous pouvez pas faire ce transi. Donc, c'est assez important de le faire comme ça. Faut vraiment du bois. Le bois est très très important, bien plus important qu'on pouvait le croire. Si vous êtes un peu trop loin, d'ailleurs, n'hésitez pas à rapprocher votre bâtiment pour le bois. Vous allez voir que c'est très 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 rentable. Donc là, je vais récolter un peu des moutons. J'ai des villageois qui brûlent rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a qu'un seul qui peut récolter une ferme. Donc ça, c'est chiant. Et c'est le moment, en fait, où tu te dis « Ah, j'ai pas mis assez au bois. » Donc vraiment, le bois est essentiel. Donc là, on va changer ça et on va mettre « Génère de l'or ». Ça va nous permettre, en fait, de temps en temps, on va sur le bâtiment, on fait « Ah !» et hop, on récupère de l'or. Voilà. Donc là, j'ai joué avec très très peu de chevaliers. Je vais en faire plus. Je vais pas hésiter, je vais en faire plus. Et on va même pas hésiter à faire d'ailleurs plus d'écoles de cavalerie. On va monter à 3 écoles de cavalerie. Ça va être assez confortable pour produire les unités x3. C'est assez important dans Age of Empires 4 du coup de vraiment vraiment produire et avoir des bâtiments de prod. En fait, il faut une bonne économie, il faut une bonne production, il faut tout ça. Et vous allez voir que la partie se passera très très bien si vous faites ça. Donc hop, on va continuer à faire des fermes. Donc là, on a accès aux améliorations suivantes. Après, elles sont chères. Hein. Là, faut faire gaffe parce que avec le bois, je vais vouloir faire autre chose. C'est faire des... Alors, je fais même les améliorations. Donc ça, c'est ça passe en chevalier royaux. Ça les booste de manière générale, mes chevaliers. Donc ça va être intéressant. En fait, là, il y a un bâtiment que je dois absolument faire. C'est l'atelier de siège. L'atelier de siège, ça va nous permettre de faire plusieurs unités. Les espringales ou les mangonos. Et vous allez vous rendre compte que si vous êtes débutant... Je dis débutant, mais même moi à mon niveau ça marche. C'est des unités qui font très 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 mal. On peut également augmenter le bois là. Voilà, on va chercher les améliorations. On va rechercher au moins celle qui augmente la nourriture et celle qui augmente le bois. On pourrait rechercher celle qui augmente l'or. Allez, voilà, on est tranquille. Et là on fait de la cavalerie. On va faire de la cavalerie tout simplement. En fait, vous allez comprendre pourquoi là, vous dites ouais, mais attends, mais s'il fait un compte de cavalerie. Alors, le compte de cavalerie, c'est typiquement des... Il y a 2 gros comptes à la cavalerie. Ça va être les... qu'on appelle ça les piquets et les... les arbalétriers. Mais le délire, c'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que on va faire des unités qui marchent bien contre ça. On va avoir le choix entre les espringales et les mangonos. C'est des unités qui font du... Les mangonos font du siège et les espringales sont de l'anti-siège. Alors, je sais, c'est bizarre, c'est du siège anti-siège. Oui, c'est du siège anti-siège. C'est du siège anti-siège, mais c'est une excellente unité. Donc là, vous voyez, je produis vraiment, 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 je fais que de la cavalerie. Hein. En fait, à plus haut niveau, il y a des joueurs qui jouent seulement avec de la cavalerie et qui défoncent tout. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et on va faire des mangonos. On va produire des mangonos. Vous voyez, le point le plus essentiel dans toute cette partie, c'est pas tant, que je produis mes unités, c'est surtout que je produis tout le temps de la cavalerie. Je produis tout le temps de la cavalerie. Alors j'ai un raccourci clavier qui me permet de regrouper tous mes bâtiments de production d'unités, on le verra ça un peu plus tard, et un autre qui me permet de sélectionner toutes mes unités agressives. Voilà. Donc là, on peut faire des améliorations.
Là, techniquement, je peux gagner la partie, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Là, je veux vraiment, vraiment analyser les choses et vous montrer un peu les choses, comment ça marche. Donc là, par exemple, on peut essayer d'attaquer l'adversaire. Donc on peut faire F1, moi c'est F1 mon raccourci pour toutes les unités militaires, et faire un gros clic droit là, toutes nos unités militaires vont aller à cet endroit là, et ça, ça va être vraiment, vraiment pas mal. Je suis un peu en galère au niveau de l'or, vous le voyez, donc on va mettre plus de villageois alors, c'est tout. Faut savoir que là, du coup, j'ai une autre mine d'or là, j'ai une autre mine d'or là, voilà, c'est plutôt ok. Là, on va juste le vérifier, mais vous allez voir que techniquement, là je peux gagner la game si j'ai envie. Là, regardez juste les dégâts. Hein. C'est insane. Hein. C'est insane. Et en fait, c'est surtout que je prends rien. C'est surtout que je prends rien. Là, par exemple, regardez, il y a des piquets. Les piquets, hop, on les a arrachés avec ça. Donc là, c'est très intéressant. Là, regardez, on va se barrer. Là, on voit un mec qui joue seulement avec des manas d'armes. Donc, seulement du fantassin. Beaucoup de fantassin. Donc, contre des joueurs comme ça, on va se concentrer sur du siège. On va faire du siège. Et vous pouvez même, du coup, vous dire, ah bah vas-y, t'as envie de faire ça, vas-y, je fais plus d'engins de siège. Vraiment, on va pas s'emmerder plus que ça. Le siège étant basé essentiellement sur... ah, attendez, il est en train de m'attaquer. Il est là. Le siège étant basé essentiellement sur... Le siège étant basé... Ma phrase est pas comme ça. Non, mais c'est pas censé être ma phrase. C'est pas ça que je voulais dire. Je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave, je me suis perdu. Alors, il y a un élément qui est assez intéressant aussi, c'est que sur les games, il y a des reliques. Et des sites sacrés, c'est les deux génèrent de l'or. Donc la relique, faut prendre un prêtre, aller la chercher, la ramener dans votre monastère. Le site sacré, faut le contrôler. C'est pas mal de les avoir, c'est pas toujours possible, mais c'est pas mal. Voilà, c'est pas toujours possible, mais c'est pas mal. Donc là, vous voyez, j'ai mis du temps à transférer mon or. C'est un peu problématique, puisque du coup, je vais avoir beaucoup moins d'or sur la game. Oui, c'est bon, j'ai retrouvé ma phrase. Le siège est centré sur de l'or et du bois. Les chevaliers sont concentrés sur la nourriture et l'or. Donc vous l'aurez compris, le nord ça va être le nerf de la guerre. Chose importante dont j'ai pas parlé. Donc là vous voyez, j'ai beaucoup de nourriture. Vous pouvez faire un marché. Marché qui va vous permettre de vendre de l'or par exemple. Là j'ai vraiment un gros souci avec l'or. Donc faut pas hésiter par exemple à faire un peu de cavalerie légère. C'est un peu moins bien que de la cavalerie lourde. Mais ça date d'usage. Mais du coup ça peut être un bon complément. Ça coûte pas d'or. Voilà. Chose importante, les espringales, 3 espringales, c'est pas mal pour aller sniper les unités de siège. Vraiment, les espringales sont là pour faire BAM, tu vises un siège, BAM, tu vises un autre siège et tu les recules. C'est pas plus compliqué que ça. Pas bien plus compliqué que ça. On va également chercher la roue, mais d'abord je vais chercher l'amélioration de défense que je trouve vraiment, vraiment sympatoche. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment que j'ai fait? Ah oui, mon monastère. Dans mon monastère, je vais aller chercher des lieux sacrés. Des lieux sacrés et voilà, des reliques. Là, vous voyez, je vends la nourriture pour de l'or. Faut savoir que plus vous allez faire d'échanges, plus ça va... Moi, ça va être rentable. Donc voilà. Mais là, j'ai une écho qui est vraiment pas mal. Donc, boum, on fait des cavaliers. Et voilà, on va faire encore des unités. On peut faire ça, augmente les dégâts supplémentaires des chevaliers royaux après une charge de 10. Ça, c'est une amélioration qui est plutôt ok. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de mettre un peu plus de dégâts à l'impact. Et également, je pense que je vais rechercher convertir mes chevaliers en chevaliers vétérans. Qui va me permettre ça. Alors j'ai arrêté la position du villageois parce que je parle. Mais ça va me permettre finalement d'avoir des cavaliers légers qui sont un peu plus puissants. Donc là vous voyez, j'ai une armée, c'est vraiment siège cavalier. Et par contre essayez de protéger votre siège hein. Enfin, en vrai ça sert jamais assez, mais c'est de protéger votre siège. C'est important quand même. Et on peut engage. Là techniquement je peux vous faire une démo. Parce que tout à l'heure j'aurais perdu la fight. Parce que clairement, il y avait quand même beaucoup d'unités. Mais là, je vous le dis, là, je mets un coup de mangono dedans. Il y a tout qui saute. Hein. Ça va être terrible. Hein. Donc là, par exemple, regardez ce bâtiment. Je fais, ah, attends, j'ai oublié de récolter mon or. Bam! Hop là, 800 d'or qui est récolté d'un coup. C'est pas mal. Et là, on va pouvoir mettre peut-être un peu plus de villageois au niveau de la nourriture. Parce qu'on voit quand même que j'ai beaucoup de bois. Et on va faire des cavaliers. Donc avec mon moine, là, je vais récupérer un lieu sacré. Ça va permettre de générer de l'or, tout simplement. Ensuite, maintenant, il faut savoir finir une game. Ça, c'est assez essentiel. C'est souvent une des difficultés des joueurs. C'est comment t'achèves la partie. Et bien, en réalité, il faut. C'est la pratique. C'est la pratique qui va te permettre de savoir si oui ou non tu peux finir une partie. Là, moi, je sais que je peux la finir parce que je sais que j'ai beaucoup. Là, par exemple, je vois aussi que j'ai beaucoup de. Là, je me dis, putain, je produis pas assez vite et tout. Allez, hop. Boum. Boum. Allez, on en pose une autre. Non, n'hésite plus là. Tu vois, là, tu fais, allez, vas-y, c'est mon général Q. On va en produire par 20. Intéressant, il passe chez moi. Alors je pourrais avoir fait des murailles hein, pour me défendre.
Après, honnêtement, je suis pas si c'est toujours très utile. On va passer à l'âge impérial pour juste voir un peu la fin de la game. Quand même, on va pas achever l'adversaire sur ça. Mais là, regardez, par exemple, regardez. Il m'attaque, regardez juste. Là, en fait, vous reculez, regardez. Juste, vous prenez votre siège et vous tapez dedans. Tapez dedans. Et voilà, y a plus rien. Et voilà, y a plus rien. Il a plus rien. Le siège, c'est insane. C'est très très dur à arrêter. Et le meilleur contre, en fait, c'est vraiment vraiment les espringales. En fait, faut vraiment pas hésiter à avoir des espringales. Il faut savoir qu'à une époque, sur Age of Empires 4, tout le monde jouait que aux espringales. C'est beaucoup moins le cas maintenant. Donc, on va juste passer au dernier H pour voir un peu ce qu'on peut faire. Mais là, globalement, je peux finir la game. Faut savoir qu'aussi, on va en parler de ça. Mais si vous ne savez pas comment finir une game, il y a cette amélioration-là, expertise de siège, qui est disponible pour toutes les civilisations. On va la faire. D'ailleurs, hein, si vous avez pas, si vous voyez que votre écho monte trop, bah, vous posez des bâtiments, vous faites allez hop, on va pouvoir produire les cavaliers par 20, ça va être très bien. Là, je vous dis, c'est la confiance. Hein. Là, j'ai pris la conf dans la game. Donc là, un peu compliqué au niveau de l'or. En fait, c'est même d'ailleurs un peu la difficulté des Français, c'est que l'or, le problème, c'est qu'ils ont pas beaucoup de moyens de générer de l'or gratos, quoi. On va prendre plus de mines d'or pour la game. Faut pas hésiter à bien s'étendre. En fait, si on a le contrôle de devant chez l'adversaire, faut pas hésiter à bien s'étendre. Et là, ce que je vais faire même, regardez, je vais prendre la relique, hop, celle-là, et je la ramène chez moi. Voilà. Attendez, je back. Moi, je fais un gros F2 back quand j'ai un doute. Quand vous regardez plus la carte, faites ça. Genre, ça va vous permettre de ramener tout chez vous. Et vous voyez, je produis toujours des villageois. Hein. Donc là, ils m'attaquent, bon, écoute. Ok, go. En fait, faut vraiment pas, par contre, que le corps à corps atteigne votre siège. Parce que le corps à corps fait très mal au siège. Là, vous voyez, en fait, quand vous voyez que vous êtes sécure... Oh, c'est un loup qui m'attaque. Quand vous voyez que vous êtes sécure au niveau de votre... au niveau de votre siège, faites que des espringales. Je sais pas si c'est ça que je voulais dire. Je parle et j'ai expliqué en même temps. On en a pas parlé, mais le donjon... peut être pas mal en défense. Après, honnêtement, c'est vraiment sur du late game. Mais là, par exemple, je pourrais tout à fait me dire, vas-y, j'ai trop de ressources, j'arrive plus à les dépenser. Vas-y, go, je vais prendre de la pierre. Voilà, hop, je vais prendre de la pierre. Là, je pourrais faire ça, en fait, en vrai. Là, vous voyez, en fait, j'ai trop, hein. Là, j'ai trop de ressources, hein. Alors, là, en fait, quand vous avez trop de ressources, normalement, vous posez plein de bâtiments pour produire des unités. Et en fait, bah, vous les envoyez pour échanger vos unités contre des fights. Là, le délire, c'est qu'en fait... j'ai overgagné parce que l'adversaire n'arrive plus à me tenir économiquement. Mais c'est pas... comment vous dire ça? C'est pas toujours... ouais, c'est pas... ça se passe pas toujours comme ça, les games, quoi. Là, en fait, je peux gagner la game, mais j'ai quand même envie de vous montrer un petit peu le late game pour voir un peu comment ça se passe, quoi. Donc là, pour passer à l'âge suivant, l'âge impérial, c'est un âge qu'on peut passer en français, que je trouve beaucoup moins intéressant avec d'autres civs, mais vous pouvez tout à fait le faire avec les Français. Donc on peut même arrêter de faire des villageois, là j'ai 91 villageois. Faut savoir que les joueurs en général montent à 100 villageois. Hop, je vais récupérer de l'or. Ok, vous voyez j'ai énormément d'or. Là en fait, si je veux, je fais vas-y, général cul, je passe mon âge. J'achète mon or, j'achète ma nourriture et puis go quoi. On va passer l'âge. Donc l'âge, on va avoir deux choix. Produit des engins de siège ou serre de donjon dispose d'emplacement d'arbalète. Honnêtement, c'est juste l'autre qu'il faut parce que vous aurez accès au meilleur siège du jeu. Donc on va le faire. Voilà. Alors, on va juste voir ce qu'on a, à quoi on a accès au dernier âge. Donc là, effectivement, je peux gagner la game. Hein. Là, je peux l'achever la game. Hein. Donc, on va faire toutes les améliorations. Ah oui, et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, avec de l'infanterie, avec des archers, ou des piquiers, ou même des manatarmes, vous pouvez produire du coup des béliers directement sur le champ de bataille, avec l'amélioration expertise de siège qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est pas mal pour aller péter des bâtiments, parce qu'en fait, c'est impossible à péter à l'arc, c'est impossible à péter avec les forums et tout, et c'est surpuissant. Là, on va pas le faire, mais pour achever une game, quand vous n'arrivez pas à avoir du siège, c'est pas mal du tout. Vous en faites avec 3, je vous assure que vous arrachez n'importe quoi. Ok, on va arrêter un peu pour produire des villageois. Alors, dans une vraie game, on aurait échangé des unités, on serait pas à 200 populations. Mais là, on va l'arrêter. Juste pour vous montrer un peu la fin de partie. On rappelle, on est avec les Français, on a accès, on peut faire les donjons. Alors regardez, les cavaliers coûtent 140 100 d'or. Si je fais un donjon là, hop, c'est pour ça que je vous ai fait ça. Vous allez voir, on les produit pour moins cher. Ok. Et là je les arrache. Hein. Et on va voir les dernières améliorations qui vont être vraiment vraiment folles.
Les dernières améliorations coûtent beaucoup de ressources. Alors par contre, j'ai pas fait de moulin. Important de faire le moulin. Hein. Moulin pour récolter la nourriture. Voilà. Mais vous voyez, j'ai pas du tout joué avec deux forums. Deux forums, je trouve pas ça fou. Avec eux. Regardez, donc là, bon, on va recommencer à côté de la pierre. Et là, vous avez accès en fait à trois unités. Le ribot de 15, c'est de la merde. Cherchez pas. Le canon royal, c'est le canon des Français. Et la couleuvrine, c'est de l'anti-siège. C'est une sorte, on va dire, d'espringale améliorée. Le canon, c'est Game Breaker. Hein. Enfin, vous allez voir. Je vais juste en faire pour vous montrer ça. Mais c'est Game Breaker. Donc, vous allez voir, maintenant, mes cavaliers, je les produis pour un peu moins de ressources. Parce qu'ils sont dans la zone de mon donjon. Voilà. Je vais pas en produire, d'ailleurs. Donc là, j'ai ruiné une mine d'or. On va sur la suivante, voilà, tout simplement. Et ne pas hésiter même à être agressif. Hein. Les canons, c'est pour péter les bâtiments. Mais genre, vous les fracassez. Ça fracasse aussi. En fait, ça fracasse tout, mais en mono cible. Ça fait pas de dégâts de zone. Et là, donc, à l'âge impérial, toutes les civilisations auront accès à ça. L'université, on va même en faire deux. Pour vous montrer ça. C'est genre. Ça, c'est la fin de la game, quoi. Évidemment, aussi, on a accès aux dernières améliorations. Les. Voilà, les cavaliers d'élite. Hein. Mais vous voyez, là, mon or est compliqué. Hein. Mon or est compliqué à gérer. Hein. En vrai. Hein. Hop, on fait affaire les derniers chevaliers. Et c'est la difficulté des Français, c'est vraiment gérer l'or. Hein. De toute façon, c'est vraiment ça, c'est la difficulté de la cive. Là, par exemple, je peux tout à fait vendre des ressources. Là. Je vais vendre un peu de nourriture pour récolter un peu d'or pour la suite. L'or, en fait, étant en général infini, vous pouvez. La pierre aussi, techniquement. La pierre, elle vous sert pas à grand chose. Vous pouvez faire des murailles et tout en pierre, qui se pètent que à coup de siège, mais bon, à part ça. Donc, je vais juste vous montrer ça. Les universités, vous avez les dernières améliorations. Genre. Augmente la santé de toutes les unités de cavalerie de 35%. Genre, ok, go. Et l'autre, c'est quoi? Là, c'est l'infanterie de corps à corps, ça augmente leurs dégâts. C'est laquelle? Il n'y en a pas une autre? Non, c'est ça. Non, elle est là. Il n'y avait pas une autre amélioration, normalement? Oh, je sais plus. Non, c'est ça. Bah après, c'est les unités d'élite, quoi. Mais après, là, en fait, vous avez juste des chevaliers qui sont trop forts. Là, vos derniers chevaliers, c'est genre trop fort. Trop puissant. Regardez, hop. Alors, on va attaquer. On y va. Donc là, faut pas hésiter non plus à faire les améliorations. Hein. Vous avez tout ça. Augmente. Ça, c'est la portée des espringales. Les espringales, c'est un bon contre. Hein. C'est vraiment un bon contre, hein, en soi. Hop. Et on va aller achever l'adversaire. Et la cavalerie, c'est super puissant. Alors, ne pas hésiter à se mettre dans cette disposition-là. Si vous jouez contre du siège... Ça va vous permettre, ça permettra à vos unités de se séparer et du coup de prendre un peu moins de dégâts. Mais là, regardez. Ce qu'on fait en fait en fin de partie, vous prenez vos canons et vous attaquez ça. Regardez juste ce qui va se passer. Faut juste savoir que c'est des canons améliorés, les canons royaux. Voilà. Vous arrachez tout. Alors là, par exemple, vous voyez, ça c'est une erreur. Parce que là, en fait, je me disperse trop. Et là, faut pas hésiter à viser. Regardez. Hop là. Vous tapez dedans et vous faites trop mal. Là, s'il y avait du siège, je serais avec mes espringales. Et en fait, je gérerais juste mes espringales. Et je fais comme ça. Je fais, ah, un siège. Boum, je le pète. Un autre siège. Boum, je le pète. Et en fait, en late game, vous allez vous rendre compte que votre cavalerie, elle prend rien du tout comme dégâts sous les bâtiments. Et du coup, vous pouvez y aller vraiment comme un bœuf comme ça. Et ça se passe super, super bien. On va faire un point après rapide sur justement les armes de siège. Les raccourcis clavier. Et là, en fait, vous avez plusieurs moyens de gagner, comme je vous ai dit dans la game. On va juste reculer. Vous pouvez soit buter tous ces bâtiments importants. Donc, si on prend ma... Attendez, je me back hein, pour ça. Si on était chez moi, ça serait... Les bâtiments principaux, c'est le premier forum et tous les bâtiments d'âge. Donc, l'école de cavalerie. Je sais plus où sont les autres bâtiments. Mais bon, bref. L'école de cavalerie, ça, là. Le hall de guild et je sais plus quoi d'autre. Et donc c'est pareil pour l'adversaire. Donc là, par exemple, je vais en les péter un. Et si je lui pète la chapelle d'ex, la chapelle et son forum, j'ai gagné. Donc en fait, des fois, c'est même rentable de juste, on va le faire. Je vais vous le faire. Juste prendre sa cavalerie et attaquer. Et achever la game. Chose importante, quand vous êtes à 200 de population, je vais le faire avant de finir la partie. Vous allez voir qu'en fait, votre population va être bloquée. C'est-à-dire qu'en fait, là, je pourrais par exemple poser genre 40 écuries comme ça. Et en fait. Lancer la production de cavaliers. Ce qui va se passer, c'est que dès que un de mes cavaliers va mourir, ça va pas lancer la production d'un cavalier, ça va terminer la production d'un cavalier. Ce qui fait que sur une fin de partie, admettons, alors c'est exagéré, mais admettons, vous ayez 40
troupe de cavalerie, vous perdez 40 unités, instantanément les 40 sont reproduites. C'est extrêmement important. Et vous voyez, en fait, avoir installé une bonne économie en début de partie, ça fait qu'à la fin, je peux produire et juste échanger mes unités. Et donc, je vous expliquais, en fin de partie, ce que vous pouvez faire. Admettons, regardez, je prends une situation, mais admettons, toute l'armée adverse est chez vous, il y a trop, et vous savez que vous avez que deux bâtiments d'âge à péter, vous foncez chez lui et vous allez faire ça. Bon, j'espère que c'est une mise en situation. Donc là, je suis en formation séparée, vous allez dessus, et vous allez faire comme ça. Tout simplement. Voilà, vous en pétez un, boum, comme ça, et vous allez sur le suivant. Et là, vous allez clore la game. Voilà. Alors. Et là, ouais, la game, elle est pliée. Voilà, c'est pas bien plus compliqué que ça. On va juste faire un point avant la fin de la game du coup, parce que sinon ça fait une petite cinématique. Sur les raccourcis clavier, moi ce que j'ai mis, qui est je pense obligatoire, j'ai un raccourci clavier, donc là vous pouvez les changer. Ça sera peut-être pas comme ça dans votre jeu actuellement, puisque ça c'est que sur la bêta, mais ces raccourcis sont disponibles quand même sur le jeu actuel. C'est sélectionner tous les bâtiments de production d'armée F1, sélectionner toutes les unités militaires, alors je ne sais plus où il est exactement, parce que du coup ils ont bougé un peu les menus. Mais il y a un bouton sélectionner toutes les unités militaires qui, moi, chez moi, est sur F2, qui n'est pas là, qui est là, F2. Ça, c'est essentiel. Vous avez du coup. Vous avez du coup aussi, moi, j'ai mis CTRL F1 pour sélectionner tous les villageois inactifs. Je pense que c'est les raccourcis qui sont absolument obligatoires. Je vais faire un dernier point que j'ai oublié de parler, c'est les ordres de déplacement d'unités. Donc, pour ça. Je vais quitter ce game et juste vous montrer ça. Quand je déplace mes unités, j'utilise trois manières de le faire, moi. Ça vous sera expliqué dans les tutos. Globalement, vous avez... Je vais vous le montrer. Alors, ça va être un assez mauvais exemple, hein, comme je vais vous le montrer, mais vous allez comprendre. Vous avez le déplacement en clic droit et le déplacement en Q-clic. Et les déplacements en Shift-clic. En gros... Clic droit, ça va à l'endroit que vous voulez, sans en ignorant ce qui se passe. C'est-à-dire que par exemple, si vous lui dites clic droit là, il va aller là, il va attaquer une unité là, il peut se faire attaquer, il peut se passer un séisme à côté de lui, il ne l'attaquera pas. Le Q-clic, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, donc c'est équivalent à un clic droit, c'est Q-clic gauche, mais vous pouvez faire Q-clic gauche sur la carte. L'unité va se déplacer là et va attaquer tout ce qu'elle croise. C'est l'ordre à utiliser pour déplacer vos unités absolument, absolument, absolument. Voilà, ne lésignez pas sur ça. C'est essentiel de déplacer vos unités de cette manière-là. Vraiment, pensez-y, faites-le. C'est probablement un des trucs les plus essentiels à faire. Et du coup, le dernier, c'est le shift-click. Vous faites shift-click-droit, clic-droit, clic-droit. Plutôt comme ça, allez. Shift-click-droit, clic-droit, clic-droit. Votre unité va aller là, et va aller là. Et moi, par exemple, ça m'arrive des fois de faire des combos où je fais genre shift-click-droit, shift-Q-clic-gauche. Mon unité va d'abord aller là, puis va se déplacer en Q-clic pour aller là. Donc ça veut dire que je lui force à aller là. Quoi qu'il se passe, puis elle va aller là-bas. Enfin voilà, c'est le genre de petit move qu'il faut maîtriser, qu'il faut absolument connaître, mais de manière générale, lorsque vous déplacez vos armées, toujours, toujours en Q-clic. Sauf si vous voulez qu'elles n'attaquent pas, quoi. Par exemple, les scouts, moi je les déplace jamais en Q-clic, mais une unité agressive est toujours en Q-clic au cas où elle croise l'armée adverse pour parfois l'anéantir. Voilà! C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire de cette vidéo, et à bientôt à la prochaine. Salut!